hydratant, de l'huile de soin de chez Tania Aircare, de la crème hydratante et nourrissante de chez Tania Aircare, d'un peigne à dents large et d'un autre petit peigne pour pouvoir faire les sections. Je commence avec les cheveux légèrement mouillés car il est important de manipuler ses cheveux quand ils sont humides pour minimaliser la casse. Je commence par diviser mes cheveux en 4 sections. Je commence par appliquer la crème hydratante et nourrissante qui est principalement composée d'aloe vera et de beurre de karité et j'insiste bien sûr sur les pointes. Appliquer mon huile de soin sur le cuir chevelu, suivi d'un petit massage pour faire pénétrer tout ça. Cette huile est composée de plusieurs huiles et plusieurs poudres qui ont de très bonnes vertus pour les cheveux, entre autres l'huile de moringa et l'huile de menthe poivrée. Si vous souhaitez un tutoriel plus détaillé sur comment je réalise mes tresses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prends une petite section de mes cheveux et à l'aide d'un peigne à dents large, je viens démêler la section. Ensuite, je prends 3 petites brindilles de mes cheveux et je viens faire une natte. Et je répète cette opération 12 fois sur ma tête. Voilà le résultat, j'ai ma coiffure protectrice que je garderai 2 semaines, mais bien évidemment j'hydraterai mes cheveux malgré le fait qu'ils soient tressés. Ma vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée, tous les liens importants seront en barre d'infos. Bisous!